film, c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du troisième millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Après 5 jours de mer depuis les Canaries, nous arrivons à Nouadhibou, notre première escale en terre africaine. D'innombrables chalutiers se sont donné rendez-vous ici. La Mauritanie appartient à la zone désertique du Sahel. Pourtant, ses eaux côtières sont parmi les plus riches du monde. Le but de notre escale, c'est l'île d'Arguin. Mais nous devons effectuer à Nouadhibou diverses formalités avant de pouvoir nous y rendre. On y est. Quand on est arrivé à Nouadhibou, c'était la première fois que j'étais dans un pays du tiers-monde. Alors j'avais l'impression que tout le monde me regardait, comme si les gens me jugeaient. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu des vêtements différents, des gens différents, des maisons. Tout avait l'air différent. Dans un sens, c'était vraiment étrange. Je me sentais pas à ma place, mais d'un autre côté, j'avais envie d'en savoir plus. Je voulais aller vers les gens. Nous profitons de l'escale pour tenter de retrouver Djibril, rencontré lors du précédent voyage de la Fleur en Mauritanie en 1992. La Mauritanie subit depuis une trentaine d'années une grave sécheresse, ce pays de nomades et de paysans connaît un rapide exode rural. Nouadhibou est une ville récemment sortie des sables, mais elle compte déjà 70 000 habitants. Un jeune finit par nous guider dans ces faubourgs sordides qui s'étendent dans le désert. C'est ici que Djibril a construit sa maison. Oui, ça c'est Maïmouna, Djibril, Ba. C'est ma femme. Oui. Et l'autre là, c'est ma fille, elle s'appelle Fatimata ou Kadjata. Ah, Maria. Ça c'est Maria. Et ça c'est Zainabou. Djibril fait partie de ces dizaines de milliers de Mauritaniens qui ont dû fuir l'intérieur du pays à cause de la sécheresse. 90% du bétail a été décimé. Djibril, lui, a tout perdu. Parce que mon père il est né en 1882. J'ai trouvé qu'il a 400 vaches. Mais les moutons, non, c'est pas beaucoup. Mais les vaches, il y avait 400 à peu près. T'as combien de moutons, toi? Ici, j'ai que 2 moutons. Ces 2 moutons sont tout ce qui reste de son troupeau. Djibril n'a pas de travail et la survie de sa famille est aléatoire. Ses enfants ne vont pas à l'école. Il espérait, comme tant d'autres, que la mère serait généreuse. Mais les poissons ne profitent qu'aux navires usines étrangers. Tout près de la Fleur, il y a une épave. Et j'ai remarqué que tous les jours, il y a des gens qui pêchent dessus. Et je me demande pourquoi. Alors on va aller voir. Sur ce tas de ferraille, sur ce vieux chalutier tout pourri, il y a 3 hommes qui passent leur journée à pêcher. C'est des dorades. Et comment on dit poisson? Quand vous les vendez, vous gagnez beaucoup d'argent. Ça, c'est leur pêche. Ils sont restés toute la journée à pêcher sous cette chaleur pour attraper ces quelques poissons. 10 francs par jour et par personne, c'est ce qu'ils ont gagné sur cette épave. Victimes de la sécheresse, impuissants devant le pillage de leurs ressources marines par les flottes étrangères, les Mauritaniens vivent des années difficiles. Nous voulons tenter de comprendre l'influence de la désertification sur la nature et les hommes. Nous nous rendons pour cela dans le parc national du Banc d'Arguin, un espace naturel unique au monde.
On essaye de naviguer sur le mont d'Arguin. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas profond du tout. Il y a une vasière droit devant. Attention, je l'offre. Là, on est devant un banc. Pascal, quelle profondeur il y a? Là, on est à moins d'1,50 m. Et ça monte encore. Ah oui, 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 l'offre en point, l'offre en point. Attention à vous. Allez, dépêchez-vous là. Active, active. Allez, Roland, tire. On l'a touché. Here we are again, stranded. The crack is really high this time because we hit a big sandbank. It's really high, so we can see nearly all the boats. Et voilà, on est encore échoué. La coque est presque sortie de l'eau. On a heurté un grand banc de sable. Il va falloir attendre la nuit pour repartir. Nous nous échouerons près de 30 fois sur le banc d'Arguin. Sans trop nous plaindre, les difficultés de navigation étant la meilleure des protections pour le parc naturel. Le lendemain matin, nous arrivons en vue de l'île d'Arguin. Les Imraguen qui y vivent reconnaissent Fleur de Lampol. Notre bateau y a fait escale 6 ans plus tôt. L'île est si isolée qu'elle ne reçoit presque jamais de visiteurs. C'est notre premier contact avec les Imraguen et c'est magique. Les Imraguen ont le sens de l'hospitalité, mais pourtant, il faut un petit moment pour s'apprivoiser. On s'observe de part et d'autre, nous vivons dans des univers si différents. Les femmes nous emmènent dans la coopérative qu'elles ont créée. Elles nous habillent avec des melafa. Alors là, comme tu le vois, on a mis les habits traditionnels. Ben, on se sent vraiment mieux quand on se sent vraiment mieux quand on a mis vraiment les habits qu'ils ont eux. Quand on a nos habits, ils sont beaucoup plus près de nous. Enfin, tu vois, ils arrivent. Ça fait un peu une sorte de fusion. Oui, j'en ai marre des mouches. Ces deux femmes sont en train de me mettre du henné. Donc elles ont d'abord commencé par me laver les pieds et les mains avec du savon. Et ensuite, elles ont préparé la pâte. Et le henné, normalement, on en met lors des grandes occasions, des fêtes, des grands événements. Ça y est, c'est fini. J'ai les pieds et les mains pleins de henné. Ici, les gens, ils sont vraiment beaux. Ils sont pas vraiment riches, ils sont pauvres. Mais ils nous donnent tout ce qu'ils ont. C'est vraiment leur beauté intérieure. Ils partagent tout avec nous. Et ça me donne envie de partager avec eux aussi. Chaque matin à l'aube, les Imraguen partent à la pêche à bord de leur launch. Quelques-uns d'entre nous embarquent sur l'une d'elles pour une expédition scientifique en compagnie de deux archéologues spécialistes de la Mauritanie, Nami Oud Mohamed Kaber et Robert Vernet. Allez, ça y est, on est parti. En route pour l'aventure. Nous allons nous rendre au cœur du parc naturel pour explorer le nord-ouest de Tidra, la plus grande île du parc. Les bancs de sable et les vasières qui l'entourent la rendent difficile d'accès.
Mais Nour, le capitaine de la lanche, et son fils Talet connaissent tous les chenaux. Les pêcheurs Imraghen sont les seuls à fréquenter ces eaux qui comptent parmi les plus isolées du monde. Le parc national du Banc d'Arguin est une immense zone humide encore préservée. Il faut remonter jusqu'à la préhistoire pour trouver l'explication de ce paysage étonnant sur les rives du Sahara. Il y a plusieurs milliers d'années, un grand fleuve se jetait ici dans la mer. Le climat s'étant réchauffé, le fleuve a disparu. Le Banc d'Arguin serait les restes de son estuaire. Cet environnement exceptionnel est d'une productivité biologique incomparable. Toutes les conditions sont réunies pour que la vie foisonne. Les eaux sont riches et les vasières constituent un garde-manger inépuisable pour les oiseaux. On rencontre fréquemment des mammifères marins, prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire. Le parc national du Banc d'Arguin accueille chaque hiver 2 300 000 oiseaux limicoles ou échassiers. C'est le plus grand rassemblement mondial. Il y a des flamants roses là-bas et des pélicans. C'est comme deux nuages qui se rassemblent. C'est inimaginable. C'est comme un rêve. On dirait un vrai tapis. Les responsables du parc national du Banc d'Arguin tentent d'assurer au mieux sa protection et la promotion de la recherche scientifique. Ils doivent aussi repousser les navires de pêche qui menacent le banc et permettent le développement de la communauté Imraghen. La navigation est longue. Nour et Talet nous apprennent la patience. Sur le banc, le vent règne en maître. Nous apercevons enfin Tidra. Nour nous raconte que jusqu'à la fin des années 70, il nomadisait sur l'île avec un troupeau de dromadaires et de chèvres. Mais la sécheresse s'est aggravée et les points d'eau ont tous été asséchés. Il est devenu impossible de vivre sur Tidra. Les hurlements des chacals nous réveillent bien avant l'aube. J'ai l'impression que rien n'a changé ici depuis la nuit des temps. En 1992, nous avions découvert à Tidra un important cimetière néolithique. Il donnait des indications précieuses sur la préhistoire du littoral mauritanien. À l'époque, le climat plus humide permettait à une population relativement nombreuse de vivre ici. L'intérêt de retrouver ce site, c'est qu'il est absolument unique. Il est très difficile dans ces régions sableuses et en plus soumis au vent de la mer de retrouver des cimetières parce qu'en général, tout est détruit. Nous avons organisé avec Robert Vernet et l'Institut mauritanien de recherche scientifique cette expédition destinée à retrouver la nécropole et à inventorier les sites archéologiques du nord-ouest de Tidra. Nous visitons en particulier les amas coquillés. Ces dunes recouvertes de coquillages sont en quelque sorte les poubelles des hommes préhistoriques. Nous en observons plusieurs dizaines. Chaque site est précisément positionné grâce au GPS. Robert, j'ai trouvé un tesson de poterie avec un bord. Mmh. Oui, ben, c'est très rare ici parce que tout est très très abîmé. Et quand on trouve des bords comme celui-ci ou comme celui-là que j'ai trouvé juste à côté, eh bien, ça nous donne des indications sur les gens qui les ont fabriqués. C'est très important de trouver des tessons de bord parce qu'ils parlent. Et le rôle de l'archéologue, c'est de les faire parler. Les gens qui venaient ramasser des coquillages pour les manger se sont évidemment installés sur les dunes. C'était plus confortable que tout à fait au bord de l'eau. Et puis petit à petit, ils ont ramassé ces coquillages qu'on appelle des anadara senilis. Ils les ont entassés sur les dunes parce qu'ils les ouvraient, soit ils les faisaient cuire, soit ils les faisaient sécher. Donc à ce moment-là, éventuellement, ils les importaient à l'intérieur, soit ils les mangeaient sur place. Et puis, évidemment, ça a fini par recouvrir complètement
les dunes, et c'est ça qu'on appelle des amas coquillés. Il ne faut jamais oublier que le paysage qu'on a en face de nous, il y a encore 3000 ans, était couvert d'une mangrove de palétuviers qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans cette direction que dans de toutes petites taches. Il en reste quelques hectares, quelques dizaines d'hectares. Et les espèces qui aujourd'hui prospèrent n'existaient pas, que ce soit les poissons, les coquilles, même parfois les oiseaux, n'existaient pas il y a 3000 ou 4000 ans. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des espèces d'un milieu très chaud, très sec, et en ce qui concerne le milieu marin, plus salé et plus froid qu'il ne l'était il y a quelques milliers d'années, parce que les courants marins ont changé. Les variations climatiques sont un phénomène normal et naturel. À la fin de la dernière période glaciaire, le Sahara était beaucoup plus humide que de nos jours. Depuis 4000 ans, le Sahara devient de plus en plus aride. Le désert s'est progressivement vidé de ses habitants. Les sites archéologiques nous racontent l'histoire d'hommes qui vivaient ici de la pêche et de l'élevage. Aujourd'hui, seuls quelques imragènes perpétuent encore ce mode de vie. This is a tool they used to break shells and bones. Ça, c'est un outil qu'ils utilisaient pour casser les coquillages et les os. Il est très agréable à tenir dans la main. J'aimerais bien travailler avec un outil pareil. Le sable, c'est un peu comme une feuille, c'est un livre. Et ça nous raconte tout. Il y a les hommes qui, il y a 3000 ans, qui sont passés là. Ils ont laissé leurs traces. Et il y a les gazelles qui passent là, et ben, tous les jours. Et ça fait un très chouette roman. Allez, route! J'avais jamais marché dans le désert. C'est la première fois que je fais ça et j'ai vraiment, vraiment trop chaud. Je suis morte de fatigue. Le sac te tue les épaules. Tu ne penses qu'à une chose. Continue à marcher. Encore un pas, encore un pas. C'est vraiment une épreuve. Pendant deux longues journées, nous explorons Tidra. Le moment le plus dur, c'est le repas de midi. La température dépasse les 40 degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. En ce moment, je devrais être en Suisse, dans les montagnes. Je ferai une course de luge avec mon copain. J'adorerais être au Canada, dans la neige. Tu crois qu'on est loin, ami ? Durant l'après-midi du deuxième jour, il nous semble enfin reconnaître l'emplacement du cimetière découvert 6 ans plus tôt. Ben, si la description est bonne, normalement nous sommes quelque part pas loin d'ici. Là c'est quoi? Là c'est une perle. Ah oh, ouais. Ouais, ça veut dire qu'on peut être sur le site là? Ouais, normalement nous sommes sur le site. Ok, enfin! Eh bien, c'est fait en œuf? Ouais. Alors, ça c'est un œuf d'autruche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un l'a porté? Exactement, ça c'est de la farine. Oh là là. At long last, we found it, we're finally here! Yeah! En 1992, nous avions pu observer ici 52 tombes dégagées par le vent. Chaque sépulture montrait jusqu'à plusieurs milliers de perles faites de coquillages ou de coquilles d'œufs d'autruche. Au début, nous ne comprenions pas comment ces parures étaient portées. Mais l'une des tombes, presque intacte, avait révélé un corps portant autour de la taille 4 colliers et un étonnant cache-sexe fait de coquillages enfilés les uns dans les autres. Les années ont passé et le site s'est dégradé. Mais il a livré son secret, la façon dont les hommes qui vivaient ici il y a 3000 ans portaient leurs parures mortuaires. Aucun cimetière de l'Ouest saharien n'avait encore donné une telle information. Sur le sable, les découvertes se multiplient. Des perles de diverses natures, un collier fait de vertèbres de poisson, une petite meule en pierre polie. Robert et Nami identifient quelques tombes encore intactes. Ils se promettent de revenir les fouiller. Mais d'après ce qu'on peut voir, c'est-à-dire d'après ce qu'ils ont laissé, il semble que c'était des pêcheurs, et en particulier des récolteurs de coquillages, qui étaient installés sur la plage. On voit très bien devant
un niveau qui est une ancienne plage. La mer montait jusqu'au pied du site, de ce côté comme de l'autre côté. Et puis la plage, avec le village qui est là tout le long, tout au bord. Et puis ce niveau qui est là, le cimetière. Il faut imaginer ici des cases en paille, probablement, quelque chose comme ça, ou bien des coupe-vents en cuir, en peau. Donc là, on est tout à fait au bord de l'eau à l'époque où ces gens vivent là. Quand je vois ces eaux-là, je crois que c'est les choses les plus émouvantes que j'ai vues dans ma vie. Et je vois les eaux avec les perles. Et je pense que c'est vraiment bien qu'ils ont pris un petit peu de la nature avec eux pour passer dans l'autre monde. C'est vraiment émouvant. Nous retrouvons nos compagnons qui partagent depuis une semaine la vie des Imraguen de l'île d'Arguin. Leur mode de vie n'a guère changé depuis la découverte d'Arguin par les Portugais en 1506. Une tortue qui vient de pêcher, il a des peurs. Ils ont très peu de sources de nourriture différentes, alors c'est pour ça qu'ils mangent les tortues. Les Imraguen savent vivre avec très peu de choses. Rien n'est gaspillé ici. Le désert ne fait pas de cadeaux. Depuis 30 ans règne la sécheresse. Il n'y a plus d'eau, plus de plantes. Les nomades ont fui le désert. Les Imraguen essayent de se maintenir dans leur petit village, mais maintenant ils sont devenus dépendants de l'extérieur. Même le charbon de bois doit être importé de Nouadhibou. S'il reste, c'est à cause du poisson. Seule la mer est généreuse. On est parti très tôt ce matin en launch, vers 6h, 7h, pour partir dans les vasières chercher les mulets et les dorades royales. Dédé, c'est un gars Imraguen, et il va pas à l'école. On dirait qu'il veut apprendre les métiers des hommes. Et puis, malheureusement, il a perdu son père, comme moi. Et puis, il va en pêche tous les matins et c'est mon copain. Arrivé dans le lieu de pêche, il y a deux hommes qui partent dérouler leur grand filet pour aller encercler le poisson. Et nous, on va dans l'eau pour rabattre le poisson dans les filets en tapant avec un bout de bois sur l'eau pour faire effrayer le poisson et les envoyer dans les filets, quoi. Quand j'étais dans l'eau, il y avait plein de petits requins. Alors je m'affole, je crie à la limite des larmes parce que je croyais qu'ils allaient manger. Et puis Dédé, il essayait de me rassurer. Et puis il rigolait parce qu'il savait que c'était pas dangereux les petits requins. Alors il essayait de me consoler, tout ça. Et puis c'est assez rigolo, quoi. La société Imraguen est tout entière fondée sur le poisson. Ces hommes ont une telle connaissance du banc d'Arguin qu'ils rentrent rarement bredouille. Aujourd'hui, la pêche est exceptionnellement bonne. Mais de telles prises deviennent rares, car les navires-usines qui sillonnent sans relâche la mer juste au large du banc sont en train d'épuiser les ressources. Le gouvernement mauritanien manque de moyens pour faire appliquer les réglementations et le pillage est généralisé. Si demain le poisson disparaît, Dédé ne sera pas pêcheur. Il devra rejoindre les bidonvilles de Nouadhibou. Les hommes du désert sont en partie responsables de la sécheresse actuelle. Pour nourrir une population de plus en plus nombreuse, ils n'ont pas pu respecter le fragile équilibre du Sahara. Les arbres ont été coupés pour faire du charbon de bois. Les troupeaux ont eu raison du maigre couvert végétal. Hommes et bêtes ont accéléré le processus de désertification en cours depuis 4000 ans. Here is the only place in the whole island with a water supply. It's like there are oases in a desert. And I can see why the water. Voici le seul puits du banc d'Arguin. Souvent, il est à sec parce qu'il ne pleut pas. Alors les Imraguen doivent importer de l'eau de Nouadhibou. Elle est très chère à cause du transport. Ils ne peuvent utiliser que 2,5 litres par personne et par jour. C'est vraiment triste de voir comme ils sont obligés de se rationner avec l'eau. C'est un acacia, c'est le seul arbre du banc d'Arguin.
Et c'est le seul arbre dans des centaines de kilomètres ici, au milieu du désert. C'est vraiment une drôle d'idée de pousser ici. Avant de venir ici, je ne réalisais pas combien nous dépendons de la nature. Quand l'équilibre est rompu, la vie est menacée. Chez moi, je croyais que l'eau douce était inépuisable. Je réalise maintenant qu'elle peut être un trésor. Les Imraganes se contentent de très peu de choses, et pourtant, rien ne dit qu'ils pourront continuer à mener leur vie ancestrale. Maintenant, je suis comme mes amis d'Arguin. Je ne rêve que d'une chose, que la pluie revienne. Tout à l'heure, on va partir pour l'archipel du Cap-Vert et les gens du village nous ont préparé une fête. Ici, les gens d'Agadir m'ont appris tellement de choses, le partage et la générosité, que ça me donne envie de faire comme eux. Et je crois que c'est le commencement d'une amitié. Merci.